Pour remplacer le moteur de votre robot compagnon Moulinex, commencez par ouvrir votre appareil. Retournez-le et à l'aide d'un tournevis, venez appuyer dans le trou situé sous la plaque signalétique pour bloquer l'axe du moteur. Avec votre autre main, dévissez le coupleur entraîneur. Dévissez ensuite la vis Torx située au fond de l'emplacement de la cuve. Avec un tournevis plat, faites levier dans les deux encoches situées sous le cadran avant pour le retirer. Débranchez le câble relié au cadran. Dévissez ensuite les deux vis situées sous le cadran. Soulevez le boîtier supérieur et débranchez les prises du côté gauche de l'appareil. Pour retirer le boîtier avant, décrochez le clip sur le haut du moteur et tirez d'un coup sec. Vous pouvez également retirer le boîtier en appuyant sur les ergots situés de part et d'autre du moteur et de la carte de puissance. Retirez le câble relié au tachymètre. Déconnectez ensuite la sonde du moteur et le câble d'alimentation relié à la carte de puissance. Dévissez ensuite les 4 vis Torx de 15 qui maintiennent le moteur et son boîtier à la carcasse inférieure. Retirez le cache plastique en appuyant sur les ergots. Le moteur est ainsi accessible et prêt à être remplacé.